souhaite la bienvenue ce matin à la suite de notre série Lumière, série d'été, Lumière sur Dieu, où nous découvrons ensemble différentes facettes, nous faisons la lumière sur différentes facettes de qui est Dieu pour nous aujourd'hui en 2018. Quelle série d'été extraordinaire! Toute l'équipe euh, des communicateurs, communicatrices, en, enseignants, prédicateurs, prédicatrices de Nouvelle Vie, euh, ensemble, euh, que ce soit dans des messages qui sont ici à Longueuil ou à Nouvelle Vie, la Prairie. Tous les messages euh, sont sur notre site Internet et depuis le début de l'été, on reçoit plein de courriels de gens euh, qui sont bénis par cette série-là, qui nous disent Waouh, je vois des choses que je n'avais jamais euh, vues auparavant, euh, fortifiées dans notre connaissance de Dieu. La Bible dit ceux qui connaissent leur Dieu vont faire des exploits et la lumière euh, sur Dieu pendant tout l'été. Nous avons vu ensemble quelle série d'été, euh, on a vu ensemble le Dieu qui donne la paix. Avec euh, Pasteur Stephanie Rieder et Pasteur Ben Luthen. Deux messages sur la paix qui se complètent magnifiquement. Ils sont sur notre site. Euh, Dieu le Père, par Pasteur Daniel Descaries. Le Dieu de la consolation, Pasteur Mathieu Bléry. Le Dieu de notre salut, Pasteur Sylvain euh, Tousignant, Le Dieu des dons, la semaine dernière, euh, Pasteur Marc. Le Dieu créateur tout puissant que j'ai apporté euh, il y a quelques semaines. Et ce matin et dimanche, matin prochain, le Dieu qui brise les chaînes. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui brise les chaînes. Et je m'arrête un instant ce matin. Pour remercier, remercier le Seigneur pour toute cette équipe. Quelle richesse! Ne sommes-nous pas bénis, enrichis d'avoir toute cette diversité de ministères, de dons, toute l'équipe ensemble? Est-ce qu'on peut juste dire merci au Seigneur ensemble? C'est je dis waouh à toute l'équipe. Le Dieu qui brise les chaînes. Ce matin, je vais commencer avec un, un exercice avec vous, un exercice ensemble. Euh, on appelle ça un, 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 un réchauffeur de cerveau, un élargisseur de cerveau, juste un, un brain teaser. Alors juste pendant un instant, réchauffeur euh, de cerveau, élargisseur de cerveau. Dites à la, presse, à, à la personne près de vous avec un sourire, ça va te faire du bien. Dites ça à quelqu'un près de vous. Je veux que vous regardiez attentivement les deux cercles qui sont là, le cercle bleu, le cercle rouge. un exercice. Regardez attentivement ces deux cercles et contrairement à ce que vous pourriez penser, ces deux cercles ne sont pas de la même grosseur. Ils sont pas de la même grosseur. Il y en a un qui est plus grand, qui est plus large euh, que l'autre. Alors regardez-le comme il faut. Il y en a, y en a qui, ont vraiment, et qui sont auditifs, il y en a d'autres qui sont plus visuels. Regardez ça comme il faut. Et un petit sondage maison à main levée. Combien d'entre vous, euh, vous, vous pensez que c'est euh, le cercle bleu euh, qui est le plus grand? Le cercle bleu, ceux qui pensent que c'est le cercle bleu, beaucoup de monde, une bonne majorité, comme la première, beaucoup de monde pense que c'est le cercle bleu. Combien d'entre vous pensez que vous dites le bleu? Je regarde, je le vois. Ce n'est pas le cercle bleu, c'est le cercle rouge. Il en en ce moment. Vous Pleurer des yeux tellement que vous regardez attentivement. Alors, ce n'est pas le bleu, c'est le cercle rouge qui est le plus grand. Ceux qui pensent que c'est le rouge, les rouges. Alors, il y a plusieurs qui pensent que euh, c'est les rouges. Euh, euh, avant de vous donner euh, la réponse, euh, quel était votre premier instinct, votre premier euh, feeling? Si, euh, euh, qu'ils étaient égaux. La raison pour laquelle votre premier instinct, c'était qu'ils étaient égaux, c'est qu'ils sont égaux. Les deux sont de la même grosseur. Pourtant... Pourtant, tout le monde ici, les deux sacs sont identiques, mais vous avez tous ou presque tous levé la main pour dire qu'ils ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on a appris Que nous pouvons être rapidement, facilement conditionnés et amenés à croire en quelque chose. Que, euh, on appelle ça un état, on appelle ça l'environnement, on appelle ça la, la pression des pères, on appelle ça le pouvoir de la suggestion. de. Alors imaginez qu'étant enfant, vous ayez grandi à tous les jours à la maison en vous faisant dire le cercle bleu, c'est le plus grand, le cercle bleu, c'est le plus grand, le cercle bleu, c'est le plus grand, et que là, ça soit partout pareil, euh, à, à la maison, euh, à l'école, vos parents, dans, euh, les professeurs, tout le monde dit euh, euh, la même chose, les médias, tout le monde dit la même chose. Si répété comme seule vérité, c'est ce que vous allez en venir à, à concevoir et, et à croire sur des années. À ce moment-là, des concepts comme ça sur des années euh, sont, euh, des, sont euh, promus par la majorité. Ça, alors à ce moment-là, ça devient une culture, ça devient une tradition, ça devient une culture qui se transmet de génération en génération. La tradition devient culture et ethos acceptable et non euh, questionné. C'est pour ça qu'il y a des choses que maintenant même historiquement, socialement. Il y a des choses qu'on considère complètement inacceptables aujourd'hui, que c'est une horreur qui était bien, qui était normale, qui était la norme euh, qui était répétée. Ainsi, le grand cercle, c'est le cercle bleu. Euh, pendant des années, si on regarde aux États-Unis ou en Angleterre, l'esclavage est une abomination. Tout le monde aujourd'hui dit comment est-ce que des sociétés entières, pendant des décennies euh, entières, c'est un chrétien en Angleterre, William Wilberforce, euh, qui a été obligé neuf fois présenter des lois au Parlement pour faire renverser l'esclavage parce que c'était comme ça. C'était accepté. Euh, si on regarde dans la province Québec pendant des années, jusqu'à pas si longtemps que ça, une discrimination systémique envers les femmes. Euh, et c'était comme ça, c'est accepté, c'est comme ça, on a grandi comme ça, tout le monde dit que c'est acceptable euh, comme ça. Aujourd'hui, je crois qu'il y a des choses qui, aujourd'hui, sont euh, tolérées, des choses qui sont, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on va dire que c'est inadmissible. On peut regarder même à l'histoire récente du Québec et, et si on pense aux milliers d'enfants qui ont été euh, autochtones des Premières Nations, qui ont été arrachés, arrachés à leur famille pour être amenés dans des pensionnats, c'est euh, horrible, mais aujourd'hui, à notre époque, lorsqu'on pense à, dans les dernières années à mille, à, à mille à, à 1500 femmes autochtones qui ont disparu, disparu, et il et, n'y et, et, a, a pas d'enquête ou pratiquement aucune, c'est juste comme si, c'est comme ça. Alors, il y, a, il y a des choses qui sont ancrées, qui sont là, et, et c'est dans le milieu social, mais c'est aussi dans le milieu spirituel ou concernant les choses, les regards ou les lumières que nous avons sur Dieu. Lorsque vous regardez à la province de Québec, la représentation de Dieu ou de l'Église chrétienne dans la culture, dans notre société postmoderne québécoise, c'est quoi, la, quelle couleur il sert, c'est quoi qui est communiqué partout, de génération en génération, que Dieu et la religion enchaînent. Des gens qui disent, donc ton message, Dieu brise les chaînes. Non, non, Dieu, il, il, il diminue les gens, il, 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 il domine, il manipule, que, que la, religion, la, la religion est, est dépassée que la religion ou la foi euh, est contre la science ou contre le raisonnement ou l'éducation ou le progrès. Que euh, provoque des guerres, que la, la foi, les religions, les guerres religieuses, sont a le sens, ça donne mieux. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui est communiqué. Dieu est un mythe. Euh, Dieu est une invention humaine. Si Dieu existe, Claude Dubois, si Dieu existe, c'est une force abstraite à quelque part qui n'a certainement rien à voir avec les chaînes, les dépendances, avec les besoins réels que le monde vit dans la société euh, euh, d'aujourd'hui. Euh, si, et, et pour certains, parmi les plus vieux qui sont ici, même la vision de Dieu, il y a eu des générations, des générations au Québec qui disaient, ouais, oh, ouais, Dieu il existe, mais il est encore il est vengeur, Dieu qui est instrumentalisé. Aujourd'hui, en 2018, Dieu dans la bouche euh, souvent de personnes qui sont extrémistes, de personnes euh, qui sont euh, racistes, euh, terroristes, euh, ou à tout le moins des gens qui ont, ils parlent de Dieu sont, sont déconnectés des vrais besoins, n'apportent rien, contribuent rien euh, à la société. Un Dieu qui peut certainement rien faire, dans, intervenir dans les vrais, la vraie vie des vraies personnes avec des, euh, des vrais besoins. Une culture qui est communiquée ici. C'est pour ça que nous faisons une lumière sur Dieu semaine après semaine pour découvrir. Parce que des gens qui n'ont pas pris cinq minutes à lire la Bible ou à l'impact de Dieu ou de la foi chrétienne à travers l'histoire ont juste assimilé ça. Et peut-être encore plus tragique, là je m'adresse aux chrétiens. C'est qu'il peut y avoir, il y a aussi une culture, un ethos de génération en génération dans l'Église chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante, qu'elle soit évangélique, qu'elle soit pentecôtiste ou n'importe quel autre iste. Il y a même dans nos cercles à nous cette, cette culture que euh, Dieu, le Dieu qui rassemble des gens où on reste entre nous, où on ne se préoccupe pas des besoins des gens à l'extérieur, où on est bien, où on est entre nous, et souvent une culture un peu euh, jugeant la société qui est autour, une culture souvent euh, chicane une culture un petit peu élitiste, on est meilleur que les méchants euh, qui sont dehors, une culture retournée sur elle-même, très souvent très peu ou préoccupée par les chaînes, par les besoins de libération des gens autour d'eux. Et dans, cette, dans ce contexte-là, c'est important, même ce matin, d'arrêter une seconde en début de message pour dire à quiconque qui a besoin de l'entendre à nouveau, le Dieu de la Bible est un Dieu qui est passionné pour briser des chaînes, pour libérer des êtres humains de toutes les formes de dépendance qu'ils peuvent avoir. Je vais vous faire plaisir si ça vous est arrivé, si vous savez que c'est vrai. C'est votre histoire, votre témoignage. Alors, on va regarder ensemble ce matin. Nous allons regarder ensemble ce matin, dimanche matin euh, prochain. Dites à la personne près de vous, c'est un truc pour que tu reviennes. Dites ça à la personne près de vous. Ce matin, dimanche matin prochain, le Dieu qui brise les chaînes, la révélation catégorique du Dieu qui brise les chaînes, le refus, la résistance catastrophique du Dieu qui brise les chaînes lorsque nous refusons, nous résistons. La réponse, la richesse et le choix, l'appel de Dieu qui brise les chaînes. Et lorsque Dieu, la révélation catégorique, lorsque si vous lisez la Bible de couvert à l'autre des centaines et centaines de versets où Dieu se présente lui-même, où Dieu dit, voici qui je suis, des textes euh, comme le psaume 68, 1 à 4, chantez à l'Éternel et célébrez son nom. Dieu se lève, Dieu se présente, voici, je suis Dieu. Il se présente, l'Éternel est son nom, il ne change pas. Le père, et voici qui il est, je vais me présenter. Je suis le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est lui, c'est Dieu. C'est Dieu dans sa sainte. Demeure. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre des captifs. Il brise des chaînes de ceux qui sont pris. Il les rend heureux. Même les rebelles, même ceux qui, pff, foutre de toi, on l'a chanté ce matin. Même les rebelles qui se retrouvent seuls ou qui habitent dans des lieux arides, dans leurs âmes, dans leur cœur, dans leur vie, dans le secret de leurs armes. C'est lui, l'Éternel, qui se lève pour eux. célébrer son nom. Son nom ne change pas. Il est le Dieu qui brise les chaînes. Et c'est très, très important de, pour les, les croyants qui sont ici ce matin, les chrétiens, de se rappeler simplement à la base à répondre à la question, mais comment Comment Dieu qui est dans sa demeure devient un père pour l'orphelin. Comment Dieu qui est dans sa demeure devient quelqu'un qui vient bri euh, libérer des gens des chaînes de leurs diverses captivités, des captivités euh, de leur vie, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, relationnelles, familiales, euh, d'injustice, de discrimination, de dépendance, de problèmes de santé mentale, de, de rancune, d'amertume. Comment est-ce que Dieu comment ce que Dieu vient Comment ce que Dieu vient être le Dieu qui brise les chaînes Il le fait la seule face. Il est dans sa demeure, mais la seule façon façon que Dieu le fait, il le fait à travers nous. Il le fait à travers son corps, à travers son Église, à travers son peuple qui est, qui est ramené à la réalisation qu'on n'est pas ici pour occuper une chaise le dimanche. Nous sommes ici pour être l'incarnation, la manifestation, l'amour, la patience, la bonté, la générosité, dites amen à n'importe quel moment, d'un Dieu qui veut briser les chaînes. Est-ce que vous pouvez dire oui? Dieu à travers nous, et le Dieu qui brise les chaînes à travers nous. Lorsque Dieu s'est présenté, il a dit Je suis le père de l'orphelin, je suis le défenseur de la veuve je suis, je suis celui -là qui ramène des gens qui étaient loin, je suis fermé, qui brille, enlève les chaînes des mains des captifs afin de les rendre heureux. Et lorsque Dieu se présente, il ne se présente pas en disant Je suis le Dieu qui appelle les chrétiens, qui porte mon nom à se rassembler entre eux pour former des groupes de discussion biblique à l'infini, à s'ostiner, à découvrir et à juste être complètement coupé du monde autour d'eux, des besoins physiques, des besoins humains, des besoins spirituels et aussi des besoins sociaux des gens autour d'eux. Non, il ne s'est pas présenté en disant, je suis le Dieu qui va causer à des gens pour des millénaires à venir de se réunir entre eux et de, de, de juste continuer à penser à eux-mêmes, à plus de découvertes de doctrine, plus d'expériences avec Dieu, plus de... Il ne s'est pas présenté comme ça. Il ne s'est pas présenté en disant, je suis le Dieu. Qui rassemble mes, mon peuple pour qu'ils discutent ad vitam aeternam mon retour, les dates de mon retour, les signes de mon retour et qu'ils soient qu dans une mentalité de bunker entre eux autres en attendant le retour du Seigneur avec aucune préoccupation pour les gens autour d'eux. Il ne s'est pas présenté en disant Je suis le Dieu qui est heureux et qui est satisfait. Si mon peuple chante que je brise des chaînes, si mon peuple prêche que je brise des chaînes, mais qui sont complètement coupés des besoins et des vraies chaînes qui tiennent les gens partout autour d'eux dans leur société, je ne suis pas le Dieu qui se présente en se contentant des chants qui parlent de briser les chaînes. Parce que que vous le compreniez ou le réalisez ou non, à chaque dimanche ici, c'est vendredi, c'est samedi, c'est dimanche, et tous les jours de la semaine, c'est des dizaines de milliers de personnes qui téléchargent les messages dans ce lieu ici ce matin. Il y, a plusieurs, il y a toutes sortes de gens qui rentrent avec toutes sortes de gênes, toutes sortes de dépendances, de, dépendance, de captivités, de, de choses qui les tiennent, qui les lient. Que ce soit de, de dépendance à des substances qui ne sont pas capables de prendre le dessus, de dépendance à des, à des idéations. Suicidaires ou des idéations euh, dépressives ou euh, des crises de panique ou d'angoisse, euh, des, des chaînes de rancune du passé, des chaînes de désespoir, des chaînes euh, qui sont euh, psychologiques, qui sont humaines, des chaînes de santé mentale, des chaînes qui sont sociales. Il y a des gens, 8000 personnes par mois à la manque alimentaire, il y a des gens dans notre ville, toutes les semaines, leur chaîne, que pas, ils savent pas avoir de la, de la nourriture sur la table. Il n'y a, a pas de matelas pour les enfants, il n'y a pas de. Et Dieu dit, je ne suis pas le Dieu, je suis le Dieu qui, qui brise les chaînes. Et il y a une réalité, que vous avez besoin, ce 25e, le week-end du 25e, comprenez ceci. Je ne le dis pas avec jugement ou avec colère, mais c'est une réalité. Une réalité pour tous ceux qui vont voir ce message par le truchement d'Internet. Il y a des centaines et centaines d'églises chrétiennes de toutes sortes où des gens entrent dans l'Église. Si par, si par bonheur, après des semaines ou des mois, vous avez invité quelqu'un, et finalement, il vient à l'Église, il y a des gens qui entrent, ils ne vous le disent pas, ils mettent leur meilleur visage possible, puis ils viennent à l'Église, puis ils s'assoient dans l'Église, puis ils ont des chaînes. Il y a des chaînes sur leur vie, puis ils viennent, puis ils s'assoient et très, et trop souvent, et dans la majorité des cas, les gens qui chantent, l'Église qui chante que Dieu brise des chaînes, ils prêchent que Dieu brise des chaînes, euh, toute la, la façon dont toute l'Église se fait, la manière qu'on qu parle, les manifestations, les dons de l'Esprit, les Comportement. Et aussi des gens qui ont des chaînes de faim, des gens qui ont besoin d'aide psychologique, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de retour à l'école pour leurs enfants. Il n'y a pas une pensée sur leurs vrais besoins. Et la plupart du temps, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait est tellement centré sur les initiés. Je ne comprends même pas de quoi on parle. Ça me paraît juste bizarre que les gens entrent avec leur chaîne, disent pas un mot bien discrètement et ressortent de l'Église avec leur chaîne, ne permettant, l'Église ne permettant jamais à Dieu. De, leur, de se révéler comme le briseur de chaînes. Ils sortent de l'église, ils s'en vont, ils sortent, ils sont à l'extérieur, pendant que l'église en dedans, on chante les briseurs de chaînes, on prêche le briseur de chaînes. Par la grâce de Dieu, depuis 25 ans, on veut faire plus que le chanter, on veut faire plus que le mentionner, on veut être là. C'est de la nourriture, c'est des vêtements, c'est de l'aide, c'est un centre pour les jeunes, c'est un retour à l'école, c'est l'accueil des immigrants. Quelqu'un devrait applaudir le Dieu qui nous appelle, pas seulement à parler et chanter de briser des chaînes, mais à briser des chaînes pour le vrai, ensemble, dans la vie des gens au nom de Jésus. Lorsque Jésus lui-même, c'est la révélation catégorique du Dieu qui brise les chaînes. Lorsque Jésus se présente lorsqu'il arrive sur la scène des temps, est-ce que vous connaissez le premier moment, le premier, le premier message, la première prédication de Jésus? Dans l'évangile de Luc chapitre 4, on nous dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Qu'il enseignait dans les temples, dans les synagogues et que tout le monde l'applaudissait. Les gens le glorifiaient, les gens l'applaudissaient, il était un enseignant absolument extraordinaire. Et il se rend à Nazareth et Jésus s'apprête. Il est acclamé, mais il s'apprête à faire exploser, à pulvériser leurs coutumes. Peut-être que vous ne saviez pas avant ce matin, Jésus est venu pour annoncer la fin de la religion. La fin du rituel, où est-ce qu'on parle de choses et all talk, no action, où est-ce qu'on parle de choses et qu'il n'y a, a pas de, ré, de réalité. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4 qu'il est était, était arrivé, il a ouvert le livre, c'était leur coutume, on ouvrait le livre, on lisait un passage et il ouvre le livre du prophète Isaïe qui avait été écrit 700 ans auparavant, qui se passait de génération en génération en lisant le un texte, une petite prière pour s'en va, puis ça ne change rien. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi, dit-il. Voici pourquoi Dieu m'a envoyé, voici pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour briser leurs chaînes, pour les libérer de leurs chaînes, pour proclamer aux captifs des chaînes la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les pour libérer toute forme de chaîne ou d'oppression sur leur vie, pour publier une année de grâce. Alors il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire cette parole des Écritures. Aujourd'hui, cette parole des Écritures est accomplie. C'est fascinant comment le religieux est pareil, de siècle en siècle. Il se réunissait, il y avait quelqu'un qui lisait des versets bibliques, il y avait une petite prière, et puis c'est pour ça que lorsque Jésus ouvre le livre, il lit, Ésaïe, l'Esprit de Sœur sur moi, et tout ça, eux l'écoutent, et là, et lorsque, moi je crois qu'il y a eu une pause. Il s'est arrêté à la fin, et là, ils ont tout le les yeux, puis ah ouais, fini là, qu'on fasse notre prière, puis qu'on s'entraîne chez nous en changeant rien. Jésus s'apprêtait à, à dynamiter le concept du religieux sans cœur pour ceux. Il disait non, je suis venu pour briser, à guérir les cœurs brisés pour ceux qui sont pauvres, pour ceux qui sont oubliés. Je suis venu pour briser leur chaîne. Et aujourd'hui, voulez-vous dire à votre avec moi aujourd'hui? Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Jésus disait, à partir de maintenant, ce ne sera pas du parlage seulement. À partir de maintenant, je vais vivre, je vais mourir, je vais ressusciter, et le même esprit qui m'a ressuscité va habiter dans des gens qu'on va appeler des chrétiens qui vont être animés de mon cœur et qui vont se donner. Son cœur devient le nôtre, sa passion devient la nôtre, sa puissance est nôtre, et sa priorité est la nôtre pour devenir ceux qui brisent les chaînes et libèrent. Vous devriez applaudir, c'est ça qui est le royaume de Dieu, c'est ça qui est le message. A.W. Tozer l'a dit de cette façon, l'Église chrétienne a tellement dérivé qu'au lieu d'être des pêcheurs d'hommes, nous sommes devenus des gardiens de l'aquarium. Jésus a dit des, des, des dizaines et des dizaines de, de passages où il disait, c'est en action que ça se passe. Tu vas donner de tes ressources, tu vas donner tout ce que tu as, tu vas donner de tes talents de ton cœur, du fruit du travail de tes mains, tu vas être généreux, tu vas, tu vas être passionné. La, la, vous êtes là pour une chose seulement. Vous êtes là pour briser des chaînes des gens. Puis, il y a plein de versets, je vais vous en donner un ce matin. Et c'est un verset tellement magnifique, tellement... Vous allez, il y en a qui... Ah, c'est tellement beau, c'est juste quatre lignes. C'est tellement beau ce verset-là, c'est facile à retenir. Matthieu 23, 23. Et il y en a d'entre vous qui ça, ça, je pense que ça va devenir mon verset euh, préféré. Matthieu 23, 23. Le, la révélation catégorique que nous sommes appelés à être l'incarnation du Dieu qui brise les chaînes. Jésus commence toujours très politiquement correct, toujours très diplomate. Jésus commence, malheur à vous, scribes, pharisiens et hypocrites, parce que vous payez la dîme, la dîme, parce que vous payez la dîme de tout, mais vous ignorez ce qui est le plus important dans la loi, la compassion, la miséricorde, la compassion, la fidélité et la justice. La compassion envers ceux qui ont des chaînes, la fidélité à, 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 à vous donner pour leur libération et la justice, l'équité, le cœur de justice de Dieu, de donner à chaque être humain les mêmes possibilités, chances d'entrer dans la vie abondante qu'il a pour eux. Et il disait à ces pharisiens, c'est hyper religieux, c'est ce qu'il faut pratiquer sans négliger les autres choses. Qu'est-ce que ce texte C'est devenu très, très tranquille, première union aussi. Tu veux juste dire le mot dîme il y a un silence qui tombe sur la foule, quel que soit le contexte. Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Il nous apprend que l'appel à briser les chaînes sera jugé par Jésus. Il dit littéralement malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. L'hypocrisie, c'est le vice qui consiste à déguiser son véritable caractère, à feindre des convictions et des valeurs que nous ne pratiquons pas. Le mot grec hypocrites, était un mot très clair, très courant dans le langage. C'était littéralement le mot qu'on utilisait pour un acteur, pour un, un, un théâtre. Euh, il, il joue un rôle. Il est un hypocrite. On va aller voir la pièce des hypocrites ce soir. Les acteurs. Et c'était pas comme nous avec des rideaux, puis avec des. C'était des masques. Le théâtre, le théâtre, la, la, le théâtre grec, les pièces des hypocrites étaient des gens qui mettaient des masques. Puis tu fais différents masques et tu représentais quelque chose que tu n'étais pas euh, vraiment. Et Jésus dit à ces hommes qui étaient des religieux, qui, qui représentaient Dieu, qui étudiaient, qui étudiaient la Bible euh, depuis des siècles Vous êtes des hypocrites. Parce que vous prétendez être la représentation du cœur de Dieu, mais vous avez négligé, vous avez oublié, vous avez avorté, vous avez euh, euh, enlevé, vous avez fait disparaître, vous avez charcuté la portion du cœur de Dieu de miséricorde, de justice, de passion pour les gens, de, de, de fidélité. Et, et, et les juges pour ça, et il les jugera, et il jugera chaque, chaque croyant à la fin des temps. Il y, un, il y a un verset hallucinant qui parle de la fin des temps lorsque chaque croyant va se présenter devant Dieu et que Jésus lui-même va juger. Il va dire J'étais nu, vous ne m'avez même pas couvert. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J étais, j étais, mais, mes enfants avaient rien pour aller à l'école et vous n'avez rien fait. J'avais pas de nourriture. J'étais en prison puis vous ne m'avez pas visité. J'étais certain d'un centre jeunesse, il n'y avait personne qui, qui pensait quoi que ce soit de moi, puis personne n'a rien. Et là, les gens m'ont dit, « Seigneur, quand est-ce qu'on a... Voyons donc, on a... ne t'a jamais fait ça à toi. » Et Jésus dit, « À chaque fois que vous l'avez fait ou pas fait. » au plus petit, le plus oublié, le plus négligé d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Est-ce que vous réalisez qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on prépare un des 8000 paniers de nourriture, à chaque fois qu'on prépare un des milliers de sacs d'école, à chaque fois qu'on est en train de bâtir une maison en Haïti, à chaque fois qu'on est en train d'accueillir un jeune au 21-59 qui sort de centre jeunesse, vous êtes en train de faire l'expression du cœur de Dieu, de Jésus lui-même. C'est un service envers Jésus lui-même, vous devriez dire. Oui. Mmh. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Que l'appel à briser les chaînes n'est jamais théorique. C'est jamais juste du parlage. C'est jamais juste spirituel, sans sacrifice matériel réel. Il dit, vous, vous payez la dîme de tout, et, 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 mais vous oubliez ce qui est le plus important. Ce qui est hallucinant, c'est que Jésus est en train d'être sévère envers des, des, des Juifs que par leur arrière-plan religieux, il donnait une dîme de tout. Et un autre texte des évangiles qui cite le même verset que Jésus a dit, euh, et qui dit, il donnait la dîme sur toute leur, leur récolte, leur, 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 leurs herbes, leur cumin, il donnait, il donnait tout. Il y avait, il avait comme une espèce de, de légalisme à, à donner quelque chose, mais le cœur n'était pas là. Le cœur n'était pas là, il n'y avait, avait pas cette passion, il n'y avait pas ce cœur. Et Jésus dit littéralement, ça ne peut pas être en paroles seulement. Tu ne peux pas dire, oh, je me réjouis. De, de tout ce, que, ce qui est fait pour aider ceux qui souffrent. Euh, J'ai cette révélation-là, je m'en réjouis, c'est tellement beau, mais je ne suis pas quelqu'un qui participe à, à pourvoir les ressources. Avec ton temps, avec tes talents, avec ton cœur, avec ta passion, avec le fruit du travail de tes mains. L'appel le, le, du Seigneur, c'est que chacun d'entre nous, chacun, avec notre capacité, notre portion, sans pression, mais avec joie, devenons ceux qui expriment, qui deviennent l'incarnation de Dieu qui brise les chaînes. Qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne Que l'appel à briser les chaînes n'est pas conditionnel, occasionnel, sporadique ou passager. Ne négligez pas. Alors, c'est une question est-ce que tu as négligé est-ce que nous négligeons? Est-ce que nous avons oublié? Est-ce que nous avons négligé? Ne négligez pas, ne négligez pas. Et cet enseignement-là, c'est quelque chose qui est. Je dirais de cette façon, le, euh, le, le, la l'appel à briser les chaînes, le surnaturel est dans la sincérité du sacrifice qui est systématique. C'est littéralement quelque chose qui est systématique et dans les, les églises du Nouveau Testament, lorsque Jésus est suscité, le, le mouvement chrétien commence sur la terre. L'apôtre Paul l'enseignait d'une manière très, très, très spécifique. À toutes, quelles que soient leurs conditions, 1 Corinthiens, chapitre 16 va apparaître euh, à l'écran, il disait littéralement, pour ce qui concerne la collecte, la, la générosité pour briser euh, des chaînes, agissez. Vous aussi, il n'y a pas d'exception, chaque personne a sa capacité. Euh, comme je l'ai ordonné aux églises de la galaxie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa, sa prospérité, selon son, son moyen. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de cœur, de dire, je suis un participant. Je ne suis pas quelqu'un en écouteur seulement, je suis quelqu'un qui participe. Moi, je suis actif à briser euh, des chaînes. C'est systématique, c'est quelque chose qui vient, euh, qui vient de mon cœur. L'appel la à briser les chaînes, selon Jésus, est plus qu'un minimum requis religieux. C'est un mode de vie à pratiquer. Ce matin, ça a duré sept ou huit minutes sans qu'aucun amen ne soit dit. Puis là, on est en train de battre le record. On est rendu à 9 minutes. Puis dans ce temps-là, je me dis amen moi-même. Amen. non, je ne suis pas amen. Tu fais bien. Alors, je peux me auto-amener pendant des heures si jamais vous n'êtes pas là. Non, c'est trop tard. S Il faut le demander. Ça ne compte pas. L'appel à briser les chaînes est plus qu'un minimum requis religieux. C'est un mode de vie à pratiquer. Vous ignorez ce qui est le plus important. La miséricorde, le cœur, la fidélité, la justice, c'est ça qu'il faut pratiquer. C'est une façon de voir, c'est une façon de vivre, c'est une façon euh, d'être. C'est des décisions à l'hebdomadaire, chacun à sa capacité, qui deviennent des choix. C'est des choix qui deviennent des habitudes. Moi, je suis quelqu'un qui contribue à briser des chaînes. Avec mon bénévolat, avec mon temps, avec le fruit du travail de mes mains, avec mes talents, avec tout ce que je suis, avec mes prières. C'est des décisions qui deviennent des choix, des choix qui deviennent des habitudes, des habitudes qui deviennent notre identité. C'est ce que je suis. Moi, je brise des chaînes. Nous brisons des chaînes ensemble. Qui devient notre nature, qui devient notre impact, notre influence, qui devient, nous devenons ensemble, l'incarnation à tous les jours, en 2018, du Dieu qui brise des chaînes. Il y des centaines et centaines de personnes, milliers de personnes à Nouvelle-Vie qui pourraient raconter le témoignage. Je les appelle les héros de l'ombre, des gens qui ne sont pas sur la strade, ce n'est pas, mais qui sont des gens qui ont compris ça, qui vivent ça, et qui le vivent avec une joie et un dynamisme, avec une générosité extraordinaire. Et je veux semer et ressemer dans nos cœurs que par-dessus tout, pour le prochain 25 ans, si Dieu nous prête vie, nous sommes là pour briser des chaînes des personnes comme Daniel Drisdel que j'aime tellement, j'aurais pu citer des centaines de personnes ici, je donne son témoignage parce que c'est particulier, parce que Daniel est un, un homme d'affaires. Il est, il est président d'une entreprise de, 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 de vêtements Dristex qui, qui fait en particulier des bas de très haute qualité, toutes sortes de bas pour des besoins particuliers, pour l'armée canadienne, pour différents besoins. Et Daniel est un, a grandi dans une église chrétienne évangélique. Sa mère, ses parents sont ici tout ça. Et c'est un homme qui a grandi, il m'a raconté l'idée d'être généreux puis de donner pour ceux qui ont des besoins. C'est quelque chose qui a, été, qui a été mis en lui, là, comme c'est quelque chose qui était systématique. Là, dit la première fois que je suis allé faire un gazon et puis que le monsieur, le voisin, m'a donné pièces, Ma mère m'a assis et expliqué euh, dimanche, on va aller à l'église, puis tu vas donner 50 cents. Tu vas donner ton. Euh, puis ça va être pour la mission, puis ça va être. Puis dis, moi, j'ai toujours fait ça. Mais ce n'est pas une question ça que les pharisiens faisaient. Mais ce n'est pas seulement une question de. de, de c'est une loi, il faut que je le fasse, je suis mieux de le faire. Non, c'est une affaire de cœur. Alors, lui, c'est un généreux extravagant. Il passe son temps, il donne de son temps. Euh, c'est un musicien, un chanteur. Il va dans les églises, il chante, il fait des visites, il accueille des gens. Euh, il a donné des milliers, des tonnes de bas à toutes sortes de personnes. Lorsque des, des, problèmes, lorsque des feux ici euh, sur la rive Sud, il arrive un incendie. Lorsqu'il es euh, est arrivé à Haïti, c'est une base régulière à tous les paniers euh, de Noël. Régulièrement dans l'année, il donne des batchs entières euh, de bas à toutes sortes euh, de familles, tous les vêtements. C'est quelqu'un qui est, qui est abondant de, de, dans cet esprit-là de, de moi, je suis là pour pour, pour briser des chaînes, pour voir des gens reprendre confiance dans la vie. Et en juin 2016, il a été foudroyé, frappé avec un cancer des ganglions stade 3. Et je me souviens du soir spécifiquement parce que c'était un mercredi lorsque le diagnostic est tombé. Et puis on dit faut, faut qu'on rentre en barre sur la chimio immédiatement. Et il est arrivé, c'était un mercredi soir, comme ce mercredi prochain, où il est venu à l'église. Il est assis à l'église, puis il est venu nous voir, ben, il avec moi, parce que là, il vient de me frapper un coup de masse en face. J'ai ça. Et, et certains diraient, penseraient ben, pendant ce temps-là, là, il était pour avoir plusieurs mois de chimiothérapie. Et on ne sait pas ce qui va arriver, c'est un, un stade 3. Euh, et puis euh, euh, il va-tu se retirer, va il va-tu se sur, sur lui-même, va te dire oh, minutes, là, je ne sais pas c'est quoi mon avenir, c'est pas. Il a juste continué à être lui. Faisait ses traitements chimiaux, allait dans les églises, soulignait, euh, aidait des gens, écoutait, il y avait une grâce, parlait euh, du Seigneur, était juste continué. C'est quelqu'un qui est généreux, il payait, il donne sa dizaine. Et ça, un, ce qui m'a frappé, c'est que c'était à l'été euh, de euh, euh, juin 2016 et en décembre 2016, au mois de décembre, comme on fait à chaque année, aux gens de l'Église, on envoie une lettre disant Si vous voulez nous aider cette année, on veut distribuer tant de milliers de paniers de Noël, tant de milliers de cadeaux pour les enfants, On veut voir, voici ce qu'on veut faire pour Noël, si vous pouvez nous faire un don de fin d'année. Euh, et lui avait répondu. Euh, décembre 2016, en, en retour de la lettre, j'ai encore son courriel. Merci de partager avec nous. Il nous remercie. C'est le fun lorsque ce soit une lettre de quelqu'un qui te remercie de lui avoir demandé d'être généreux. C'est magnifique. Merci de partager avec nous ces besoins si pressants et importants. Cher pasteur, merci à tout le staff et l'équipe pastorale Nouvelle Vie pour votre grand travail sans relâche afin de venir en aide au plus grand nombre de familles possible. Dieu vous bénira de toute mesure, bien secoué et qui déborde. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, mais ça, c'est à l'endroit où plusieurs personnes arrêtent. Hey, c'est beau que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Dieu va vous, bénisse, va vous bénir. Je suis reconnaissant qu'il y a une autre ligne qui suit. Et toi, et certains d'entre nous ont besoin d'ajouter une phrase, d'ajouter le projet de paragraphe. Maintenant, ce n'est pas les montants qui comptent. Lui, c'est un homme d'affaires, d'entreprise, des employés et tout ça. Mais il dit, je, après avoir prié et demandé le conseil de Dieu, Suzanne et moi, son épouse, avons décidé, étant en pleine chimio, tout ça, nous avons décidé de prendre un pas de foi encore plus cette année. Alors, personnellement, notre entreprise va donner un don de 10 000 et Dristex Business, son entreprise, fait un don de 11 982 Puis il dit, je vous expliquerai pourquoi j'en suis venu au, chef, au montant de 11 982 Puis il nous expliquait à partir de cette année-là, euh, au mois de décembre, il y a eu cette idée. Moi et ma femme, là, on se lève le matin dans les semaines les plus payantes de l'année. Puis on dit, Seigneur, Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, tous les profits, on les donne pour la banque alimentaire. On les donne pour des paniers. Puis cette année, c'était 11 982. Ce n'est pas une affaire de 11 000. Peut-être que toi, tu peux donner 11 Peut-être que tu peux donner 11 heures de bénévolat. Peut-être que tu peux donner 11 poignées de main à l'accueil, à l'arrière. Peut-être que tu peux remplir 11 sacs de bouffe. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de cœur. Et j'aimerais vous dire que. Une question de. Hey! Et j'aimerais vous dire que... En ah, cet été du mois d'août 2018, il est maintenant deux ans en rémission complète, toute trace de cancer qui a disparu. Un... Voulez-vous plaisir avec moi la joie qu'on a d'être sûr de, 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 de recevoir et de répondre à cet appel-là, parce qu'il y a ceux qui reçoivent, il y a ceux qui répondent, et il y a aussi le refus, la résistance catastrophique au Dieu qui brise les chaînes. Dans les textes comme ça qui vous avez tout à travers l'histoire les religieux qui refusent. Oh non! Et Dieu leur parle très directement. Zacharie chapitre 7, verset 5 à 10, c'est catastrophique si tu rejettes l'appel à être, à être celui qui brise les chaînes. C'est ça qu'on est supposé être, être et faire. Je, Dieu leur dit Quand vous jeûnez et pleurez, tous les cinquième et septième mois, Zacharie 7, 5 à 10. Et cela depuis 70 ans, de génération en génération, c'est comme ça. Croyez-vous vraiment que ce jeûne est agréable à moi? Parce que vous m'impressionnez par vos, vos rituels religieux. Pourquoi n'écoutez-vous pas les paroles qu'ont proclamées ceux qui parlent pour moi? Euh, plus Dieu, l'Éternel ne change jamais. Par les premiers prophètes, ceux qui parlent pour moi jusqu'à aujourd'hui, voici encore ce que je dis. Rendez véritablement en vérité. Be real, en vérité, en authenticité, en vérité, selon moi, devant Dieu. Rendez la justice, le mishpat, le mot hébreu, mishpat. La justice, c'est l'action. Ayez les uns pour les autres, la compassion et la miséricorde, de chesed en hébreu. Ça, c'est l'émotion, c'est le cœur, c'est le sentiment de il faut que je, je m'implique. Défendez, aidez, donnez. Défendez, aidez, donnez. Défendez celui qui est sans défense. Aidez celui qui est sans aide et donnez à celui qui n'a rien. À la veuve, c'est le big four de Dieu. La veuve, l'orphelin. Le pauvre et les migrants. Et de génération en génération, eux ont eu la, la folie, ont eu l'orgueil, ont eu l'endurcissement, la folie d'essayer de dicter à Dieu Non, non, on ne fera pas ça, on va, on va complètement occulter l'appel de générosité, l'appel d'aller vers. Mais, mais on va jeûner, on va prier, on va faire des sacrifices, on va on va allumer des cierges, on va, on va faire nos, nos pénitences, puis tu vas nous bénir pareil. C'est dire à Dieu qu'est-ce qui est important pour lui essayer de redéfinir qui il est. Ils refusèrent d'être attentifs. Ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Et le cœur dure comme un diamant, pour ne pas écouter les paroles que l'Éternel leur adressait. Aussi, le Seigneur, la colère de l'Éternel fut enflammée. Parce qu'il dit, je les ai appelés à briser des chaînes, je les ai appelés à la justice, mais ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi ils sont dispersés. D'un pays de délices et de vie, ils ont fait un désert. Il n'y a plus d'allant et de venant, de délices et de fruits de vie. Écoutez-moi bien. Que ce soit catholique, que ce soit évangélique, que ce soit protestant, les églises qui sont désertes, où il n'y a plus de vie, il n'y a pas d'allant, il n'y a pas de venant, il n'y a pas de percée, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de génération euh, qui monte et, que, et qui se vide partout. Et ce n'est pas seulement dans un mouvement ou c'est partout où on, 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 la raison est absolue, elle est, elle, est, elle, est, elle est dans ce texte qui est comme eux pendant 70 ans qu'ils l'ont ignoré. Dieu dit, l'Église qui va tourner sur elle-même et qui va ignorer mon appel, mon appel à aller briser des chaînes, il n'y aura pas, il n'y a plus de vie, il n'y aura plus rien, il n'y a pas d'avenir Et laissez-moi vous dire que le secret de la croissance que ce soit de nouvelles vies ou d'églises à travers le monde qui sont en explosion de croissance, c'est pas une vedette, c'est pas euh, un homme, c'est pas un leader, c'est pas euh, euh, une, une star américaine qu'on fait venir. Rien de tout ça. C'est simplement que lorsqu'on rejoint le diapason du cœur de Dieu, pour ceux qui souffrent, Dieu va bénir, Dieu va multiplier, Dieu va ouvrir les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Dieu va faire son œuvre. Dieu va faire son œuvre. J'arrive vers la fin du message. Le premier dimanche de notre histoire ensemble, la Nouvelle Vie, au mois d'août 1993, le dimanche matin, 8 août 1993. Et c'était très significatif parce que le 15 août, je ne sais pas si vous en souvenez, pas ensemble, mais le 15 août, qui était seulement le deuxième dimanche, j'étais parti en Haïti pour aller faire une mission humanitaire qu'on avait bouclé avant. C'est ensemble qui est venu prêcher à Nouvelle Vie, le deuxième dimanche de l'histoire euh, de Nouvelle Vie. Il a réparé toutes les gaves que j'avais faites la semaine d'avant pour continuer après par la suite. Mais le 8 août, le premier message que j'ai apporté... C'est Ésaïe 58 qui reprend la même pensée que Zacharie, où Dieu parle, mais encore plus. Il n'y a, a pas de chance de ne pas le comprendre. Tu ne peux, tu peux pas vouloir, mais il n'y a pas de chance de manquer son message. isaïe Ésaïe 58, il dit à Ésaïe, et ça, c'est un cri que moi, j'avais entendu, et c'est comme ça qu'on a débuté une nouvelle vie. C'est le premier mot qui est sorti de ma bouche le 8 août 1993. Ésaïe 58, 1, il dit au pasteur, au leader crie à plein gosier, ne te retiens pas élève ta voix comme une trompette. La trompette dans l'ancien testament représentait des moments solennels. Hey, réveille les gens, c'est grave, c'est sérieux. Ça va faire une différence s'ils si écoutent ou non. Et annonce à mon peuple ses péchés, ses iniquités. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voix, comme s'ils étaient une nation qui pratiquait la justice. Ils pratiquent pas la justice, mais ils veulent que je leur réponde. Et comme s'ils n'avaient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils demandent des interventions, ils demandent des arrêts de Dieu, des interventions. Seigneur, comment ça que tu ne réponds pas Ils il désirent l'approche de Dieu. Comment ça se fait que le Seigneur ne vient pas agir Et vous lirez les versets, les versets suivants. C'est un esprit qui est dans beaucoup de chrétiens dans la, la province de Québec. C'est comme un, un désespoir, une espèce de colère. Comment ça se fait que Dieu n'a pas agi Est-ce qu'on a tout fait ça pour rien que, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas De mortifier notre âme s'il n'y a pas d'égard Mais Dieu explique pourquoi. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement les mercenaires. Vous vous, 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 vous jeûnez, mais vous vous disputez, vous vous querellez pour euh, frapper méchamment du poing. C'est un portrait. Des, des croyants de l'époque qui sont très religieux, qui veulent que Dieu agisse, mais plein d'amertume, plein de conflits, garde les colères, garde les amertumes, plein de conflits, puis ils disent vous négligez, vous, vous laissez vos, vos penchants égoïstes prendre le dessus et vous négligez, vous abandonnez vos mercenaires. Le mercenaire, c'était le, le travailleur qui était payé à la journée. En 2018, c'est l'immigrant qui vient ici, qui fait la job que personne ne voudra faire, qui va travailler pour une, une, une paie, une journée à la fois pour aller à chercher les fruits à Saint-Cyacinthe dans les champs à 45 degrés euh, jour après jour. C'était les personnes les plus vulnérables à la société. C'est pour ça que vous vous suconnez vous autres et vous n'avez absolument aucun égard pour ceux qui sont euh, euh, les, plus, les plus innocents, les plus vulnérables. Vous vous attendez à ce que je vienne vous bénir. Vous pensez que c'est un jeune comme ça à lequel je prends plaisir? La réponse, la richesse, et le choix face à l'appel du Dieu qui brise les chaînes. Voici, vous allez avoir le choix. Voici, mais on va le dire, c'est pas un secret. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détachez les chaînes de la méchanceté. Libérez des gens de leurs chaînes. Dénouez les liens de toutes sortes de captivités. Renvoyez libre. Travaillez. Donnez-vous avec patience, patience, générosité à libérer des gens que l'on brise toute espèce de joug. Waouh! Ça, c'est le plaisir de Dieu. Lorsque son cœur devient mon combat, lorsque son message devient notre mission, lorsque sa passion devient ma priorité, lorsque son amour éternel devient mon appel et mon engagement, Dieu dit, je prends plaisir en vous et vous allez voir ma gloire. Oui, mais comment est-ce qu'on fait ça? Sérieux, là, comment est-ce qu'on fait pour être. Comment que moi je peux faire? assis dans la salle à la nouvelle vie dimanche matin et je t'entends que c'est ça que Dieu veut. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on change le monde? Les choses ne changent pas. Qu'est-ce qu qu que moi je peux? Je ne peux pas changer le monde. Comment est-ce qu'on fait ça? Esaïe nous le dit. Le Seigneur ne dit pas, je fais un appel, puis je ne te dis pas comment. On va l'élaborer la semaine prochaine. Mais il dit, voici comment tu réponds. Comment est-ce que je réponds oui à cet appel-là? Je réponds avec mes forces puis avec mes talents ce que j'ai en moi ce que je peux donner verset verset 10 des 58 si tu donnes de ta propre subsistance à celui qui a faim et que tu viens au secours de l'âme euh, qui est appauvri. si tu vois un homme nu tu le couvres si tu t'éloignes de toi le doigt accusateur et la colère qui demeure il dit, prends de ta, si tu es prêt à te donner, ce pas un de pauvreté qu'on va tout aller vivre, à, 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 on va aller vivre dans la forêt puis boire de l'eau, puis on, on a tout donné, puis on a, non, pas du tout, mais tu vas donner de ta subsistance. Ta subsistance, c'est qu ce qui a fait que tu, tu as eu du succès dans la vie, ce que tu as bâti ta vie, c'est tes talents, c'est ton expertise, c'est ton métier, c'est tes expériences, c'est ça qui a fait que tu, tu donnes une portion de ça, c'est bien plus que des sous. C'est ton expertise. L'Église, elle est tellement belle lorsque tout le monde donne ce qu'il peut donner de ses talents. Il y a toutes sortes de. C'est pas seulement. Bien sûr, il y a des gens qui sont sur la stade, ceux qui sont musiciens, ceux qui donnent de leur talent bénévolement. Ceux qui sont à la technique au, euh, et au son, caméra, éclairage, la régie, donnent de leur talent. Mais il y a toutes sortes de gens ici. Qui, il y a des gens qui ont un don de, de sourire et d'accueil qui donnent de leur talent, à, accueillant les gens chaque semaine, euh, hiver comme été, dans le stationnement. Ceux qui travaillent par, pour les centaines de, de bénévoles qui sont à Action nouvelle qui distribuent, donnent de leur talent. On a des équipes, par exemple, on a une équipe légale, qu'elle soit avocat ou gens des banques, puis tout ça qui depuis les années ont assuré depuis 25 ans euh, tout le côté administratif, que ça soit fait avec rigueur, avec droiture, que tout soit impeccable, qui nous a donné des mentions d'honneur de Revenu Canada, parce que c'est leur don, c'est leur talent, des gens qui ont euh, MBA et autres. On a des équipes de construction. Des équipes d'ingénieurs, de, de construction, d'entrepreneurs qui ont vu à chaque projet, chaque affaire. Euh, vous savez que vous avez un pasteur qui n'est pas capable de clouer un clou droit. Mais il y a des hommes, des femmes dans l'Église qui ont ces dons-là. Équipe, euh, dans tous les domaines possibles, donne-nous, donne, -nous, donne euh, euh, prends ton rôle pour aider de, 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 auprès des jeunes, auprès des personnes âgées, auprès des gens à l'extérieur, des euh, gens à l'intérieur. Quels que soient les besoins, tu donnes de tes forces. Moi, je suis fort là-dedans et j'en donne une portion parce que je veux voir des chaînes être brisées. De tes forces, de tes talents. Une fraction de, de ton temps, tu donnes une fraction de ton temps du, du fruit de ton travail. Du dit, partage, verset 7, verset tu partage ton pain avec celui qui a faim et fais-le entrer dans ta maison. Quelque chose d'absolument magnifique. Est-ce que vous réalisez, tous ceux d'entre vous, qui donnez généreusement de votre temps, du bénévolat, qui donnez aussi du travail de vos mains, de votre pain, et vous donnez, que à chaque semaine, vous faites entrer dans votre maison des personnes sans-abri. Toutes les semaines, on va, on va servir des repas à Montréal à des centaines de sans-abri à travers un organisme qu'on soutient. Euh, vous, vous, à chaque semaine, vous faites entrer dans votre maison 8000 personnes qui reçoivent un panier à chaque semaine vous faites entrer dans votre maison des réfugiés dans des camps euh, qu'on va aider en série à chaque semaine vous faites entrer dans votre maison vous participez vous êtes euh, celui qui avec nous contribuons à briser des chaînes à bâtir des églises à bâtir des écoles à bâtir à, en ce moment dans votre maison cette semaine que tu réalises ou non dans ta maison cette semaine il y a quelques centaines d'enfants autochtones qui ont reçu leurs effets scolaires ils étaient dans ta maison parce que ensemble je donne de mon pain je ne suis de travail de mes mains et ensemble nous sommes non ceux qui brisent des chaînes de briser. Dire, mais c'est la fin la plus belle. Et même, il y a même quelque chose pour le dimanche, un petit, un petit spécial, un petit commercial spécial pour le dimanche. Et je réponds avec une fraction de mon temps. Le verset 13, Isaïe 58, vous le vérifiez, qui dit Si tu retiens ton pied pendant le jour du sabbat, le dimanche, le jour qu'on met à part pour Dieu, pour ne pas faire ta volonté en ce jour qui est mis à part pour moi, si tu prends plaisir, si tu apprends à prendre plaisir à glorifier Dieu pendant le sabbat. Alors je vais te bénir, alors je vais te multiplier. Il parle littéralement du jour qui est mis à part et je vous donne une application 2018. Si tu retiens ton pied d'aller partout ailleurs et d'arriver en retard à chaque semaine à, à l'église. Pas d'amène, OK, je vais continuer. Si si tu retiens ton pied de juste partir à la dernière minute à chaque dimanche, je suis venu prendre puis je m'en vais. Puis que tu décides, moi j'ai quelque chose que je peux faire ici là. Je peux glorifier Dieu pendant le sabbat. Je peux prendre plaisir à prendre ma part. Je suis placeur, je suis à l'accueil, je suis avec les enfants, je suis avec les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, je suis avec la Super Ligue pour les enfants, euh, trisomiques. je suis en train de servir, je suis en train d'aider, je suis en train de passer à la communion, je suis en train, suis en train de, de réaliser que je ne suis pas seulement ici comme un consommateur, je suis ici comme un contributeur, comme un combattant, afin que des chaînes soient brisées de semaine en semaine. Mon pied est dans la maison de Dieu afin de servir. Dites « Amen » puis j'achève. Musicien, bon, on s'approche en son à Comment est-ce que je vais répondre? Je vais répondre avec ma fidélité par quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique. Le verset 13, Isaïe 58. Si tu m'honores en ne suivant pas, le même texte. Quel texte hallucinant. Si tu m'honores en ne suivant pas tes voix, tes tendances à te livrer à tes penchants pour les vains discours. Il faut être honnête. On a tous la capacité de dire des choses, faire des choses, bien, de déclarer des affaires, mais de ne pas, de pas suivre nos follow-throughs. On n'agit pas ce matin. Ce matin, il y a, il y a un appel de Dieu. C'est le week-end du 25e. Je veux juste renouveler nos cœurs à devenir ceux qui accomplissent le rêve de Dieu. Dans le journal, de Montréal, dans la, la, la presse, il y avait un sondage récemment où il posait la question, à quoi les Québécois rêvent-ils? Il y avait la question, aussi, à quoi les Québécois rêvent-ils? Il y avait, à quoi rêvez-vous? Qu'est-ce que vous rêvez vous euh, Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter un instant, juste à la pensée de à quoi Dieu rêve lui. C'est quoi son intention C'est quoi son désir C'est quoi que, plus que tout Puis un texte qui nous le dit, c'est le dernier texte de l'avant-midi dans le psaume 33. Car la parole de l'Éternel est claire, verset 4 à 18. Elle ne change pas. Elle est droite, de toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la compassion. Et lorsque sa bonté remplit la terre, les desseins et les rêves de Dieu subsistent à toujours. Et alors les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté afin d'arracher leurs armes aux chaînes de la mort, enlever les chaînes, et leur redonner la vie au milieu même de la famine. Puis alors ils vont dire, mon âme espère maintenant l'Éternel, il est devenu notre secours et notre bouclier. C'est quoi les rêves de Dieu où sont les yeux de Dieu ce matin? Les yeux de Dieu ne sont pas seulement sur nous. Les yeux de Dieu sont sur chaque personne assise dans l'église, mais à l'extérieur, qui est juste pris dans des chaînes de tout ça. Ses yeux sont sur eux et ses yeux sont sur moi, sur toi, sur nous comme Église. Allons-nous? Est-ce qu'ils est qu vont entendre cet appel? Est-ce qu'ils vont accepter d'entrer dans cette vision de devenir l'expression de l'accomplissement des rêves de Dieu, de libérer des êtres humains? Un à la fois. Dimanche prochain, nous allons voir ensemble dans le même texte des 58. Je vous encourage à lire cette semaine à la maison. Vous allez voir toutes les promesses spirituelles qu'il y a, toute l'abondance. Dieu met le paquet. Dieu dit, si tu fais ça, là, Voici maintenant ce qui va prendre place. Voici une puissance surnaturelle pour briser des chaînes, des prières exaucées pour briser des chaînes, une protection divine pour briser des chaînes, des projets porteurs d'espoir pour briser des chaînes, une percée sans précédent pour briser euh, des chaînes. Ne manquez pas la semaine prochaine. Invitez des gens parce qu'on va regarder comment Dieu libère des êtres humains de toutes les formes de captivité euh, la semaine prochaine. Et je vais terminer juste en, en, en offrant juste juste pour dire merci aussi. Inspiré pendant un instant. Euh, il y a, il y a, je reçois beaucoup de courriels euh, et j'ai reçu récemment un courriel d'une femme et euh, d'un couple qui m'ont donné la permission de, de raconter euh, ce témoignage. Ils ont été pendant des années, euh, elle écrit, ben, ils ont été pendant des années dans une église et puis il y avait à peu près 70 personnes après une quarantaine d'années. Et l'église est tombé dans une division, se sont mis à se déchirer, se sont mis à. Euh, et euh, c'était particulièrement touchant pour moi parce que la, le, le combat, la chicane était sur le Saint-Esprit était sur est-ce que Dieu, les dons, l'esprit, le baptême, et les gens sont divisés, puis elle a écrit littéralement, on a vécu un, une année complète de discussions, de débats, d'atmosphère pourrie pour finalement, il y a 40 personnes qui sont parties. Une division, l'église éclate, puis dit, après 40 ans, on se retrouvait, puis il y avait une quarantaine de personnes avec la colère, avec l'amertume et tout ça, puis elle a, un, elle a un garçon de 14, et elle a une fille, une, une fille de 14 ans, puis un gars de 15 ans. Et euh, eux suivaient les messages par Internet depuis des années, ils habitent Montréal. Mais là, il n'y a plus rien pour leurs enfants, il n'y a rien, il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas rien de rien service. Les enfants veulent plus, les jeunes, les ados ne veulent plus venir à l'église, c'est plat. je ne savoir de ça. Alors, euh, euh, l'été dernier, on a décidé, comme certains font, on va aller faire un tour à Nouvelle Vie. Ils nous connaissaient par les messages, mais étaient attachés là où ils étaient. Et là, finalement, ils viennent, euh, ils sont arrivés à Nouvelle Vie, puis elle dit, elle dit Tout on est, est entré, je vous l'offre, parce que ça prend tout le monde. L'accueil, les sourires, la, elle dit la louange, on en, en pleurait tellement, tellement, il y avait tellement de vie, c'est tellement beau. Euh, c'était le moment où on parlait de retour à l'école, puis tout le reste, comme ce matin. Puis, on était tellement bénis, puis on était touchés, encouragés, mais on ne s'attendait pas à ce qui était arrivé arriver. Lorsqu'on est sorti leurs enfants qui étaient allés dans les classes, dans, dans le programme pour les ados, sont venus, a dit, surexcité. papa, maman, c'est tellement hot, ils sont tellement cool, moi je vais être ici, on va pas à une autre Église, c'est ici qu'on vient à partir de maintenant. Savez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui viennent à Nouvelle-Vie, me tolèrent, mais ils viennent pour le programme, pour les jeunes et pour, euh, pour les enfants. <laughs> puis elle, elle a là, je ne donnerai, donnerai pas de nom, parce que c'est tout confidentiel, puis c'est un jeune garçon, j'ai la permission d'aller témoigner, je ne donnerai pas de nom. Mais elle raconte, elle dit, mon fils était pris. Toutes les années, il n'avait jamais montré d'intérêt pour Dieu. On le traînait à l'église, mais il était aussi pris par toutes sortes de, ça une... même pas une timidité, maladie. C'est pire que ça. Il était, il était renfermé, il avait peur. Il faisait des crises de panique, il faisait des crises d'angoisse. Il était... Puis il y a deux moniteurs, deux gars bénévoles, des ados. On a commencé à le prendre à cœur, commencer à jaser avec lui, puis il y, avait, il y a un sport en particulier qu'il aime, a commencé à... Hors des heures, là, ils ne sont pas obligés, c'est pas tout des bénévoles, mais hors des heures, s'occuper de lui, puis on a utilisé le terme à l'apprivoiser, à, à gagner son amitié, à parler, à le défier, à lui faire faire des choses. Puis elle dit, on a vu, elle a dit Parce que nous, on t'a béni là, le dimanche là. Mais on, Puis a dit Notre fille était comme un poisson dans l'eau dans l'église, elle était tellement heureuse de ça mais elle dit, on a vu notre gars, là. Notre gars sortit, elle disait, puis elle pas en ligne avec moi, ça ne veut pas ce que je prêcherai ce matin, mais elle disait, on a vu notre gars comme juste sortir de sa coquille, puis elle disait, à son 16e anniversaire, il avait invité ses amis, puis il a invité les deux moniteurs de Nouvelle-Vie, puis il a fait un speech, elle a dit, mon gars, tu pas capable de dire un mot avant. Comprenez que ce n'est pas juste des, des héroïnomanes héroïnom, héroïnom avec une, 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 une seringue dans le cou, elle, une seringue dans le bras qui sont liés là. Et pour eux aussi, il y a une libération, puis il y, une, il y a une délivrance. Mais il y a toutes sortes de chaînes, il y a toutes sortes de choses qui... Mais lorsqu'ensemble, on vient chacun avec nos dons, chacun avec nos capacités, ces deux moniteurs-là n'ont même pas idée. Ils sont arrivés à ce party-là sans savoir, et le garçon a fait un speech, puis il a dit, ça, c'est mes deux frères, c'est comme mes deux grands-frères, c'est à cause de eux que je suis ici aujourd'hui, puis je suis capable de, je suis capable de... Je veux vous défier à cet appel de dire, Seigneur, mon Dieu... À, pouvez vous pouvez plaisir avec moi. Let's go. Il y a 25 ans, presque ce dimanche, ce mercredi, avec quelques dizaines de chaises devant nous, pardonnerai d'être émotif, mais en tant qu'on est en train de préparer, brancher la sonneau, préparer la porte, puis ça commence demain matin, on ne sait pas qui va venir. Mon époux Chantal, qui est ici, était avec moi, bien sûr, et tout le monde, quelques leaders qui étaient là, bien sûr. On à nous. Puis on a dit Oh Seigneur, on a besoin de toi, il faut que tu viennes. Donne-moi un cœur tout entier. Complètement dévoué à toi. Fais ce que tu veux de ma vie. On ne connaissait pas ce chant-là à ce moment-là, il venait juste d'être écrit. Mais c'était le cri de notre cœur, Seigneur. Donne-nous ton cœur. On veut toucher des gens, on veut briser des chaînes. Et 25 ans plus tard, je dis, je prie ce matin. Seigneur, garde-moi, protège-moi, protège-nous. Puis pardon s'il y a quelque chose qui a diminué. Si ça commence à s'éteindre un peu, si on est assis dessus un peu, si on commence à être tourné sur nous-mêmes, que ce soit en vieillissant ou une nouvelle génération qui arrive pour venir consommer. Non, Seigneur Dieu, donne-moi un cœur tout entier. Seigneur Dieu, ton amour est fort, puis il brise les chaînes. Alors ce matin, on se retrouve comme au tout début, même si on est entre 4 et 5 000 ce matin, puis si on était quelques dizaines à ce moment-là, c'est le même cœur. Alors on te demande, renouvelle-nous, ramène-nous. Nous voulons voir des chaînes être brisées comme jamais. Nous voulons voir des vies être libérées comme jamais. Nous voulons que de semaine en semaine, chacun avec nos dons, nos talents, notre cœur, nos capacités, on s'offre à toi. Et que tu fasses ce que tu veux de nos vies. Nous nous offrons à toi pour briser toute espèce de joug dans le nom de Jésus. qu'on peut se lever ensemble en sa présence? Est-ce qu'on peut... L'appel ce matin, c'est une prière. Partez pas tout de suite. Donnez-vous une minute. Est-ce qu'on peut le prier ensemble? Donne-moi un un cœur cœur. tout entier. Complètement dévoué. Et, Et complètement, complètement, dévoué. complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut le prier ensemble?